découvrons quels sont les effets de Marvel Snap sur votre organisme. Ah, Cyclops! Oui, c'est le Cyclops de Jim Lee! Bon, y'a Khazar qui vient du Savage Land! Et non, on a quand même gagné parce que du coup, il s'est concentré sur ce terrain-là et du coup, on la gagne. Abomination devient plus vilain! Et là, plus 2! Et là, Khazar, il met plus 1 à tous les trucs qui valent 1! Mais ça se joue, ça se farme et surtout, c'est extrêmement limpide! Marvel Snap, c'est le tout nouveau jeu de cartes en ligne basé sur l'univers Marvel. Chaque tour, un joueur reçoit plus 1 d'énergie pour jouer des cartes. Les emplacements sont révélés au début de chaque tour jusqu'au troisième tour. Les lieux sont les 3 cartes de milieu du plateau qui ont chacune des effets qui changent la donne. Pour gagner une partie, vous devez gagner 2 emplacements sur 3. Les joueurs collectent de nouvelles cartes en jouant au jeu. Au fur et à mesure que vous progressez et collectez plus de cartes pour votre collection, vous gagnez également des crédits pour améliorer visuellement vos cartes. La mise à niveau des cartes ajoute des modifications telles que des effets 3D, des arrière-plans animés, des effets de cadre et plus encore. Les joueurs tirent les mêmes cartes à travers des niveaux de collection définis, mais l'ordre dans lequel elles sont déverrouillées est aléatoire. Vous pouvez également gagner et débloquer des variantes des avatars et de l'or. Chaque carte a une capacité unique et chaque partie se déroule en 6 tours. Pas de pay to win, vous devez simplement jouer pour gagner des cartes. Vous pouvez télécharger le jeu dès maintenant en utilisant mon lien dans la description ou en trouvant le jeu sur l'App Store ou iOS et Android et Steam et mobile et partout. En fait, le jeu est partout. Le jeu est cross-save, donc toutes les cartes, la progression, le rang sont les mêmes quelle que soit la plateforme. Et c'est ça l'effet Marvel Snap. Pour une fois que Benzaï joue vraiment à un jeu dont il fait la promo, tout de suite, votre vidéo. Dragon Ball Super Super Héros. Oui, c'est le vrai nom du film. Le nouveau film, donc Dragon Ball, soi-disant adoubé par Akira Toriyama, légende, dieu vivant du manga, mais surtout le mec qui a bon dos, je crois. L'armée du Ruban Rouge s'apprête à renaître de ses cendres grâce au petit-fils du docteur Gero. Capable bien sûr de créer de tout nouveaux cyborgs invincibles, mais dotés d'un sens aigu de la justice. Des super-héros en somme. D'où le titre totalement ridicule du film. Mais c'est le vrai grand méchant de l'histoire qui va vous donner la migraine devant tant de fainéantise, voire de je m'en foutisme. Et animé pour la première fois entièrement en 3D, l'effet Budokai HD est bel et bien présent. Et malgré de réels efforts pour cacher la misère de tout ce bazar, inutile d'espérer une quelconque fulgurance d'animation devant cette pantin en 3D. Tout est désormais calibré, proportionné, et le tout qui sert un scénar des plus basiques, l'impression de regarder un DBZ fait par IA est réel. Mais attention, hein, pas une IA style Midjourney comme on voit en ce moment, hein, qui est hyper stylé. Non, non, une IA à la con. Ou alors des gamins de 12 ans hein, qui improviseraient leur suite de DBZ. Mais ça, c'est déjà tout DB super. Et le seul attrait pour des trentenaires est de finalement découvrir hein, les nouvelles formes, les nouvelles transformations de ces héros de son enfance. Afin de pouvoir, après le film bien sûr, foncer au magasin de jouets ou alors sur Twitter. Pour encore une fois se plaindre que DBZ a perdu toute son âme et lui tous ses cheveux. Et vu que de toute façon il est impossible de arpenter le net hein, sans se faire spoiler tout DBZ tout le temps, c'était d'ailleurs pour ça qu'il se casse pas le tronc sur les nouvelles transformations, hein, parce que là, niveau imagination, on est sur une huître chaude. J'aime autant vous dire que j'ai plutôt mal à ma place de ciné, hein. Un screener espagnol aurait largement fait le taf. Vu l'ampleur de ce foutage de gueule, hein, je rappelle, on parle de la Toei. À part Disney, personne a plus d'argent chez eux en animation. Le film est donc imbitable pour les nouveaux venus, en plus de suivre une formule éculée déjà sur un format 45 minutes depuis 30 ans. Dragon Ball Super Super Héros n'a même pas l'attrait du film Broly, qui lui essayait de réinventer sa mise en scène à chaque patate. Même sur le postulat de proposer des bastons sans queue ni tête, il y a même un retour en arrière. Parce que autant Broly nous avait caressé dans le sens du poil, Super Héros là c'est plus une épilation du scrotum. C'est donc ça les Dragon Ball? Hellraiser! Comme hurlait feu Lemmy Kilmister, Hellraiser est de retour avec une Pinhead féminine. Pinhead, tête de pin en québécois. On parle du reboot de la licence culte des années 80, big up à Alt 236. Une licence forte de 8 films, dont 4 en direct tout DVD. Mais surtout, un univers fort créé par Clive Barker et un des piliers du cinéma fantastigore des années 80. Et vraiment, les 4 premiers sont encore des bijoux, même si le 4 se passe dans l'espace. Mais comme dirait grand-père Simpson, c'était la mode à l'époque. A noter que ce reboot est pour l'instant une exclusivité Hulu aux États-Unis, donc j'ai dû prendre un VPN, etc. Bref, vous imaginez la hype.
L'histoire est donc celle de cette fameuse boîte iconique volée par une petite frappe et sa copine, un richissime mec du coin, disparu il y a 6 ans de ça. Mais la boîte est bien évidemment un puzzle ésotérique fascinant et très dangereux qui peut réclamer l'âme de ceux qui ont été blessés par ces lames. Mais bon, comme il paraît qu'on peut parler à Jésus à la fin, et bien évidemment, des monstres chelous sadomaso viendront vous faire chier à chaque étape. Ça, c'est la base d'Hellraiser, alias les écorchés chez nous. Prenant la direction d'un teen movie basique avec des jeunes qui baissent, qui disent fuck, qui prennent de la drogue. Surtout pour finir coursé dans un couloir glauque par le mec qui a trahi tout le monde. Autant dire que Hellraiser 2022 part avec un certain handicap par rapport à sa légende. Pour un reboot annoncé en grande pompe, l'image est assez bas de gamme et les scènes d'horreur très virtuelles feront surtout bâiller les anciens. Même s'il y a certains effets gore qui fonctionnent, ils sont amenés de façon si absurde. Car si les nouveaux Cénobites, ces anges de la douleur dans l'univers, ont de bien belles gueules de porte-bonheur, leur présence et leurs actions laissent pas mal de marbre quand on n'est pas juste en train de se taper le front devant tant de bêtises. Comme avec le mec là qui a une carte graphique dans le bide, non mais what the fuck, c'est quoi cette idée? Pourtant, à l'envie d'intriguer, on sent qu'elle est bien présente, mais malheureusement, tous les personnages sont à chier. Et la première partie dure, mais alors, des plombes avant qu'il se passe un truc, et quand il se passe un truc, le payoff ne vaut absolument rien. Le film ne résout rien. Alors j'en attendais peut-être beaucoup de ce nouveau Hellraiser, parce qu'après tout, ça ne concerne plus grand monde aujourd'hui. Mais c'est justement parce que le design des nouveaux Cénobites avait l'air super classe. Et donc, qui redonnait un peu de confiance dans ce projet de reboot pourtant branlant. Mais il aurait fallu que ce soit au service d'un scénario plus ou moins intéressant. Juste pour rappel, Hellraiser premier du nom, c'est une simple histoire d'adultère avec des Cénobites et les enfers en arrière-plan. Et pourtant, c'est ultra intense, alors qu'il n'y a qu'un seul décor. Bref, s'il vous plaît, pour la dernière fois, laissez nos bites tranquilles. Clerks 3. Clerks 3. La suite de Clerks 2, mais surtout Clerks 1, le film à l'origine de la carrière de Kevin Smith, maître à penser de la geekosphère depuis plus de 30 ans, avec ses films interconnectés, allant des Glandeurs à Dogma, en passant par Jay Silent Bob contre-attaque, un de mes films les plus cotés du monde. Et surtout Clerks, inspiration première derrière Hard Corner. C'est vous dire à quel point j'attendais ce Clerks 3 comme le troisième testament. Surtout quand 16 ans séparent chaque film. Dante et Randall sont deux amis possédant une supérette de quartier souvent visitée par des personnages les plus loufoques. Notamment les fameux Jay et Silent Bob possédant désormais leur propre boutique de cannabis légale. Mais un infarctus impromptu chez Randall va lui donner l'électrochoc de sa vie afin de réaliser enfin un film sur son quotidien derrière le comptoir. Les fans seront très vite dans la confidence, mais ils vont assister au tournage de Clerks 1 par les personnages de Clerks 3. Bien sûr, avec de nombreux clins d'œil à la clé. Et si vous avez jamais vu Clerks 1, déjà, pourquoi vous regardez Clerks 3? Mais des clins d'œil donc qui ne sont finalement que ça. Un rendez-vous entre potes pour revoir des répliques cultes jouées par les mêmes acteurs 30 ans plus tard. Mais c'est sans compter sur un événement surréaliste particulièrement révoltant à mon sens, doublé d'une facilité de scénario des plus navrantes, que je ne spoilerai pas. Mais il m'est simplement impossible d'applaudir ce genre de tire-larme, qui traduit un quasi-abandon du propos de la part du réalisateur. Perso, je suis sorti du film meurtri, mais pas vis-à-vis des événements du film, non, vis-à-vis de l'état de la franchise Clerks, qui met ici un point final au film de chevet de beaucoup de jeunes réalisateurs et auteurs. Parce que Clerks restera à jamais dans mon top 5 des films ever, mais j'attendais au moins de Clerks 3 un peu du panache du 2, ou encore une ultime introspection sur le sens du vieillissement. Et là, cette lettre aux fans arrive un peu chez nous comme un rappel France Loisirs. On finit par payer presque malgré nous et c'était même pas ce qu'on voulait à la base. Bien évidemment, libre à Kevin Smith de livrer le bébé qu'il veut. Et tout le reste de la réal, très bête et méchante, traduit clairement une prod expédiée en 2 semaines. Et tous les caméos, aussi plaisants soient-ils, n'ont jamais le mérite que d'en être. Bref, tout ça ne m'explique pas le naufrage de Clerks 3, cette espèce de fausse mièvrerie douce amère, quand les autres films Clerks et les autres films View Askew sont des moods absolus. C'est vraiment crève-cœur d'arriver à ce constat, même si finalement j'ai pas apprécié un film du bonhomme depuis Zach et Miri font un porno. Mais voilà, on en est là. Et pour le citer une dernière fois, sans Clerks, je suis même pas censé être là aujourd'hui.